Vous venez de loin, n'est-ce pas? Peut-être le destin a-t-il joué un rôle dans notre rencontre. Parlons un moment. Alors, pourquoi vous aventurez dans les terres d'Orient? Vous n'ignorez pas qu'Azuma est une contrée dangereuse. Montagnes, rivières, de là provient leur puissance. Ils forgent la terre. Oui, je parle des Kemono. Ils sont très nombreux par ici. Peu d'êtres humains sont restés. La plupart ont fui ce qui est maintenant le territoire des Kemono par manque de nourriture. Mais je crois que tout cela, vous le savez déjà. Votre apparence en dit long sur vous. Les gantelets qui protègent vos mains, la lame à vos côtés. Vous connaissez déjà les Kemono. Vous descendez d'un clan ancien. D'un clan spécialisé dans les Kemono. Vous chassez, n'est-ce pas? Oui, vous êtes l'incarnation de la voix de la chasse. Et moi, vous vous demandez qui je suis? Un simple musicien, bien sûr. Je m'appelle... Disons... Mujina. Intriguant, n'est-ce pas? Dans cette vie terrestre, tout est musique. Mes mélodies ne sont que des échos du passé. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de moi, mais de vous. N'omettez aucun détail. D'où venez-vous pour arriver jusqu'ici? Ah, le Septentrion, une terre féroce où vivent des chasseurs plus féroces encore. Hélas, le respect pour la chasse est révolu au Inomoto. Les samouraïs des provinces occidentales se querellent au lieu d'affronter les Kemono. Beaucoup de chasseurs ont faim par les temps qui courent. Certains ont déposé les armes pour cultiver la terre. D'autres volent pour survivre. Je l'imagine sans peine. L'art de la chasse est en train de se perdre. Lentement, mais sûrement, les villes et les villages se détournent de la chasse. Donc, vous quittez votre foyer pour voyager jusqu'à Azuma et vous consacrer à la chasse. Pourquoi? Pourquoi chassez-vous? Ah, vous recherchez les défis. Vous avez le cœur vaillant. Certes, affronter un Kemono, c'est affronter 100 guerriers. Mais méfiez-vous. La différence est ténue entre bravoure et témérité. Oh, pardonnez-moi. Avec l'âge vient un étrange besoin de donner des conseils. Bien. Cela est clair pour moi maintenant. Vous avez beaucoup de volonté. Et la volonté est une force puissante. Les buts évoluent. En chemin, n'oubliez pas. Ne jamais céder. Oui, Azuma pourrait bien être un endroit pour vous. Bon, assez de ces longs discours. Votre nabé a largement eu le temps de cuire. Je ne vous dérange pas plus. Vous devez satisfaire votre faim.
Dites-moi, savez-vous déjà où vous irez? Ou puis-je vous faire une suggestion? À l'est de la montagne sacrée, au-delà du vieux sentier fleuri que l'on nomme la voie d'Arugasumi, se trouve Minato. C'est une petite ville où se retrouvent les chasseurs encore présents au Inomoto. Avec ses habitants, vous partagerez peut-être... Il approche. Vous connaissez ses signes, bien sûr. L'avidité de la bête pour son territoire consume la terre. Vous serez bientôt piégé, chasseur solitaire, emprisonné dans la glace. Vous avez la chasse dans le sang. Vous sentez cela? La proie n'est pas loin. C'est le moment de mesurer votre courage. C'est une vraie chasse maintenant que les chiens sont là. Le moment de vous mettre à l'épreuve. Dans la tempête, avec prudence.
suffisant. Pourtant, un fil d'espoir subsiste, peut-être. Laissez-le tisser cette graine dans votre âme. Faites que les esprits des Karakuri se nouent au vôtre. Et chassez les kimonos, car tel est votre destin. Trouvez Minato, trouvez la terre des chasseurs. Là commencera alors vraiment votre voyage.
Vous chassez? Vous m'avez sauvé la vie. Comment pourrais-je vous récompenser? Je serais morte sans votre aide. Pardonnez-moi, je m'appelle Natsume. Je suis une forgeronne de Minato, un village non loin d'ici. Je suis venue chercher des matériaux, mais j'ai dû perdre connaissance quand ce kimono a attaqué. C'est la dernière chose dont je me souviens. Oh, vraiment? Je serais ravie de vous indiquer la route dans ce cas. Seulement, eh bien, un regard donne bien des réponses, comme on dit. Venez avec moi. Un pont se dressait ici, voyez-vous? Reliant la voie d'Arugasumi jusqu'à l'autre rive, là où se trouve Minato. Il a dû s'effondrer à cause de la terrible secousse de tout à l'heure. Cette secousse est, je suppose, ce qui a effrayé le kimono et l'a fait bondir devant nous. Oh! Ça ne va pas. Je dois trouver Ujishige. Oui, il m'a accompagnée seulement parce que j'ai insisté. Si le pire s'est produit, je... Mais... si vous chassez, peut-être gagnez-vous votre vie en faisant de la traque? Pourriez-vous rechercher Ujishige pour moi? Je ferai tout pour vous aider, bien sûr. Merci. Je n'oublierai pas. C'est un Kohakunushi qui nous a attaqués. Ils sont appelés Sef perfides à Minato. Ils n'arrêtent pas de causer des problèmes. Vous allez avoir besoin d'une arme adaptée pour l'affronter. En cela, je peux peut-être vous aider. Je ne peux affronter les kimono, mais trouvez-moi un établi et je perfectionnerai toutes vos armes. Et si on rentrait au camp pour réfléchir? Est-ce qu'il y a quelque chose ici pour que je monte un établi? Une enclume sortie de nulle part? Ça doit être l'œuvre d'un karakuri. Oh, avec une enclume, je vais pouvoir me rendre utile. Les outils que j'ai emportés sont intacts. Tout ce qu'il me faut, ce sont des matériaux pour vous fabriquer un arc et des flèches, ou une épée. Ce sera probablement différent de ce que vous utilisez d'habitude, mais je suis sûre que je vous fabriquerai quelque chose de satisfaisant. D'ailleurs, je pourrais voir votre katana karakuri. J'aimerais beaucoup le démonter pour comprendre comment il marche. Vous inquiétez pas, ça peut attendre. Nous devons d'abord trouver Ujishige et un chemin pour retourner à Minato. On en reparlera à ce moment-là. Bien, voyons ce que je peux faire pour vous.